nice to meet you. Oh, salut, salut. J'essaie de pouvoir mettre ce téléphone en charge correctement avant qu'on ne commence. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a la sauce gumbo. Allons, allons, allons. Ok. Voilà. Bonsoir. Alors, comment vous allez? Ok. Donc, j'étais sur le point de vous partager le témoignage d'une jeune femme qui est dans la quarantaine. Et elle est tombée sur ma page, ça fait environ, je dirais, entre novembre et décembre de l'année passée. Ou même. Attendez, je vais aller dans nos messages, je vais voir quand on a notre conversation. Cette femme, elle a une foi énorme parce que... Ben, on a commencé à parler le 8 février. Je dirais qu'on parle depuis janvier, même janvier, oui. Et l'autre jour, je voulais... fait écouter la vidéo d'une l'audio pardon où elle parlait de la vision qu'elle a eue où je l'avais son frère et elle s'est levée un matin, elle m'a dit voilà, je vais faire maintenant mes lavages tous les mois, chaque mois je vais laver, faire le lavage une fois. Donc quand elle m'a contacté, elle avait une page qui avait beaucoup d'abonnés, mais elle faisait souvent les directs où elle avait moins de 1000 vues. Imagine si tu as 70 000 personnes qui sont sur ta page. Tu fais un direct ou bien la moyenne de tes vidéos ont 500 vues. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas, non? Il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, elle-même, quand elle me parlait au départ, elle était consciente qu'il y a certaines connaissances de sa mère, c'est-à-dire peut-être frères de sa mère qui l'ont bloqué. Donc, au départ, c'était très difficile pour elle, je me rappelle. Elle devait parfois passer 2-3 semaines, cotiser l'argent pour pouvoir payer un lavage. Mais elle a quand même insisté. Elle a insisté. Oui, oui, ça ne donnait pas parce que j'avais utilisé le téléphone. Si le téléphone, si le volume dérange un peu. Donc, celui-ci, l'image n'est pas aussi parfaite que celui-ci. Donc, je jongle sur le téléphone. Pas que je jongle, ils sont tous bien, mais il y en a qui sont... Ça est plus cher que l'autre avec lequel je parle. Mais la caméra de devant du téléphone n'est pas bonne. Donc, voilà. Ok. Donc, elle me contacte. Elle me dit, je ne comprends pas. Je suis endettée. J'essaie de sortir du trou. L'argent, tu as les dettes de 15 000 euros. Dès que tu obtiens 5 000 euros, tu rembourses un peu. Ta dette monte. Au lieu de descendre, au lieu de descendre à 10 000 euros, ça monte à 18 000 euros. Je vous ai dit, il y a cela 2 semaines, il y a une dame qui avait sa dîme dans son sac avec son... elle venait faire la recette, en fait. Donc, dans la recette, il y avait son argent dont elle allait payer la dîme. Et il y avait l'argent des fournisseurs. Quelqu'un entrait dans son salon. Pendant qu'elle est à la cuisine, elle est dans une autre pièce de la maison. Il entre dans le salon. Il vient, il prend seulement l'argent. Il prend le porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, il prend l'argent. Il part. Elle me contacte, elle dit, oh, elle pleure, tout ça là. Bon, elle va pleurer physiquement, mais bon, elle était là vraiment. Voilà, je fais les efforts, mais c'est comme si je ne faisais que rentrer en arrière. Je lui dis, ma chérie, ne doute même pas de qui tu es. Elle va donc, elle dit qu'elle prend la cannelle, elle mange. Elle prend le donne-moi tout. Elle mange. Elle parle. 2 jours plus tard, quelqu'un vient sonner à sa porte. Il sonne à sa porte. Il lui dit, j'ai trouvé le sac, c'est là-bas, dans la rue.
Il savait que c'est son sac qui est revenu. Elle m'a fait la vidéo. En fait, la femme, si là, je lui ai dit que c'est une femme de témoignage, justement qu'elle ne veut pas me croire. Je vais vous montrer la vidéo qu'elle m'a fait. Écoutez la vidéo, hein. Attendez. Elle m'envoie les vidéos tous les jours, hein. Donc. Et c'est la même personne que vous avez dit un jour qu'il y a le monsieur là qui est. Il a garé la Range Rover. Enfin, il a garé la Range Rover. Pendant qu'elle regardait, il lui a dit que il la voit dans un Range Rover comme ça. Attendez, je cherche la vidéo où elle parle de son vol. Je dirais que ta vidéo elle est même bon. Voilà, c'est ça. Ma reine, je dis que je sais pas si c'est quoi, si c'est quoi. Hier, j'ai fait ma cannelle, j'ai parlé dans la maison aussi. Devine quoi? Un passant vient de ramener mon portefeuille. Bon, il n'y a plus le cash, hein, ça c'est sûr. On a ramené, voici mes papiers. Voici tous mes trucs là-dedans. Dieu est bon. Donc, on est venu la voler son sac. Voler son argent dans le sac. Elle a pris le don avec la cannelle. Donne-moi tout, parlez. 2 jours plus tard, un passant vient déposer son sac avec tous ses papiers, sauf l'argent. Maintenant, c'est la même femme si qui vous dit que quand elle reste souvent là, elle passe. Je cherche l'endroit où elle parle de la Range Rover là. Parce que ce qui s'est passé sur sa page aujourd'hui là, c'était vraiment. C'était le miracle. Et voilà comment elle paye sa dîme. Hein. Voilà comment elle écrit sa dîme. Seigneur, voici ma dîme. Je te demande pour la gloire de ton nom de me protéger, ma famille, mon fils, mon mari. Cette dîme soit une alliance entre toi et moi, Seigneur. Que je reçoive la somme de, elle donne la somme qu'elle veut. Avant juillet 2022, je déclare mon déblocage, le déblocage de mon académie. Que mon travail de coach soit reconnu et admiré. Je déclare que mes élèves sont de plus en plus nombreux et je déclare que toute flèche dirigée contre moi se retourne à l'envoyeur. Je déclare que dès demain, mon réveil, j'aurai encore 4 fois plus de commandes. Elle a fait la prière si le 8 juin. Voilà sa prière quand elle payait sa dîme. Je déclare que dès demain à mon réveil, j'aurai encore 4 fois plus de commandes qu'aujourd'hui. Et que cela se réalise au nom de Jésus Tout-Puissant. Le 9 qui est le lendemain, elle m'envoie le voice. C'est le voice que je vous ai fait écouter, c'est la semaine passée. Bonjour la reine lumière, la reine Tokas, la taille chicane des reines. Ouais, qu'est-ce que c'est? T'as la coupe même là, je sais même pas comment le faire. Bon, je vais faire les prochains lavages. Donc, je vais payer les deux dans ma boutique. Tu regardes pas, tu dis ok. Le local. Bon, elle a rêvé, je suis venue dans sa boutique la laver. Elle fait beaucoup de rêves, elle me voit dans ses rêves. Je suis venue dans sa boutique, je l'ai lavé dans sa boutique et j'ai béni sa boutique. Je cherche l'autre audio qu'elle a fait. Bon, apparemment, les voleurs n'ont pas volé son donne-moi tout dans son sac. Donc, elle a fait sa prière le 8 juin. Non, on est le. Elle m'écrit presque tous les jours parce que je vois que le lendemain, elle m'écrit, le jour d'après, elle m'écrit. Elle m'envoie aujourd'hui le message, elle dit bonjour ma reine. Témoignage, je suis débordée ma chérie. Depuis le matin, les appels, les commandes à venir. Personne ne discute quand je donne mon prix. Après, elle dit que H, le goût de ça. Elle dit que le goût du donne-moi tout. Maman, laissez-la comme ça. Elle dit que les vues de mes publications reviennent. Elle a une page avec beaucoup d'abonnés. Mais quand elle faisait les publications, elle ne voyait pas. Après, elle dit. L'hallucinant, j'étais tellement fatiguée aujourd'hui que j'ai dit je me repose, mais impossible. On m'appelle tous les 5 minutes. Que de nouvelles clientes. Des pays où je ne savais même pas qu'on me suit. Guinée, Corse, Luxembourg, Malte. Après, elle dit Massa. Donc là, elle m'envoie le truc des vues. Vous allez cibler sur la vue, vous allez. Non, nous, les vues. Regardez. 267 800 vues. Voilà ça. Donc, quand elle baisse. Elle a fait un direct.
91 partages, 4000 likes. Oups, excusez-moi. 4000 likes sur sa vidéo. Et là, elle me dit, regarde les vues. Et là, elle me dit, le donne-moi tout fait l'effet. Bon, maintenant, je vais vous montrer les likes. Voilà ça. 4760 likes. Ça, c'est depuis ce matin, hein. Vous savez, vous devez arriver au niveau de votre vie. Il y a les moments où la femme s'est fait le lavage. Quand l'homme a volé son argent la semaine surpassée, elle est partie à la police, elle a fait la déclaration, elle a porté plainte et tout ça là. Imagine, on vient, on prend une partie, ta recette de la semaine peut-être, supposons. Et tu continues de payer ta dîme quand même. Et quand la semaine suis passée à se plaigner, je lui faisais que lui dire que... Je sais même pas, c'est comme si elle lui a fait le voice de ça. Dieu dit que, écoutez, vous ne pouvez... Arrête de te plaindre. Ne tentez même pas de rentrer dans les petits trucs de « Oh, pauvre de moi. Ouais, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» Quels sont les genres de lavage que la femme n'a pas encore fait? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tous les bains que je fais, voilà ça. Les déclarations, oh. Quand elle paye la dîme, elle parle. Et je pense que l'argent qu'on a volé dans son sac l'autre jour, ça devait être l'ultime test. Parce que le soir, là, j'ai senti que la femme, là, elle allait me craquer. J'ai senti qu'elle allait craquer. Mais elle a tenu. Donc, je ne sais pas à qui je parle là maintenant, mais je veux que tu saches que écoute, ta Range Rover que tu veux, ça arrive. Ton immeuble, ta villa, ça arrive. Ne te dérange pas. Voilà encore une de ces. Seigneur, en ce jour, j'apporte au trésor, j'apporte mon bon trésor et je m'humilie devant ta face, mon Dieu, mon roi. Je te demande par ta grâce infinie d'ouvrir mes écluses des cieux. Je déclare que je reçois la faveur financière aujourd'hui. Mon entreprise, aide le nom de son entreprise. Ça fructifie comme les étoiles du ciel. Je reçois aujourd'hui le chiffre d'affaires de plus de 5000 euros et que toutes mes clientes passeront devant mes produits en ligne sont favorables à l'achat de celles-ci. Vous devez comprendre que ce que vous allez recevoir, pour toi, le succès, quand ça va venir, tu ne seras pas surprise. Ce sera ton entourage qui sera surpris. Elle passe le temps à m'envoyer les vidéos des Range Rover. Voilà une de ces vidéos là-bas. Ma reine, je vais encore te dire quoi. Je vais encore te dire quoi aujourd'hui là. Je vais encore te dire quoi. Je suis fatiguée de voir ma voiture de rêve partout. Je vais encore te dire quoi. Qu'est-ce que je vais encore te dire? Voici ma voiture de rêve dehors. Je vais encore te dire quoi. Voilà. Ce qui m'a impressionné de cette femme, c'est que elle est dans son monde à elle. Tu vois, tu restes comme ça, tu fais le don, tu fais le lavage à 3 heures, tu fais à minuit. Tu te lèves, quand tu sors du lit, ton mari touche, il dit, wow, elle est encore partie où? Le don a piqué ta bouche jusqu'à.
un mois, deux mois, trois mois, tu ne vois rien. Tu fais tes déclarations. Tu fais le lavage à distance. Tu fais, s'il y a un sacrifice, tu fais. Écoutez, c'est un entre vous. Hein. On vous a attaché. Plus, plus. Ne pense pas que tu vas venir, tu vas faire un lavage. Mais pourquoi tu ne souffres pas? Pourquoi? Tu as beaucoup. Parfois, même quand tu commences, c'est là que les problèmes commencent. Le jour où elle a volé son argent, elle a commencé à me crier. Je sentais qu'elle était comme ça, là, tu vois. Tout le monde autour de toi dit, ah, comment on a pu prendre ton argent? Je lui dis que rappelle-toi tout ce que tu as demandé à Dieu. Son premier signe que Dieu l'a écouté, c'est quand deux jours plus tard, on vient donner son sac. Ça, j'ai commencé à foire le prix. Attends, il a volé mon sac. J'ai parlé. On est venu on a donné mon sac. Même si j'avais plus l'argent, mais mon sac est revenu à moi. Ça veut dire que la puissance là n'est pas partie. Le diable, c'est un usurpateur. Hein. Il va te mettre souvent. Et c'est quand tu es le plus découragé. Moi, bien. C'est quand tu te dis, ah, j'ai porté 150 000, j'ai mis dedans, ça a donné quoi? J'ai investi telle somme sur ça, ça a donné quoi? C'est quand tu es en train de penser ça, là, le temps là. Tu es à l'aube de ta percée. Et la dîme, c'est qu'elle vous dit chaque jour. Qui pleuve, qui neige, oh, for rich, for poor, je vais payer ma dîme. Dans le bonheur, dans la, je vais payer ma dîme. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est la pauvreté. Donc tu viens de commencer, la dîme, tu ne connaissais pas. Et hier, d'ailleurs, la femme, c'est là. Hier, elle me dit qu'elle est partie à l'église pour le ils ont les trucs qui font tous les, je sais pas trop quoi. C'était un truc à l'église catholique, je sais pas trop quoi. Elle est partie à l'église hier en tout cas. Et là, elle me dit que quand la femme pasteur prêchait, elle riait seulement. Elle dit que quand la pasteur prêchait, elle riait. Attends, je vais voir. Je sors de l'église comme ça, ma reine. On a prêché sur la dîme là-bas. Voilà, attends, on va écouter son voice. Je sors de l'église comme ça, ma reine. On a prêché sur la dîme là-bas. Ma part est sortie, j'attendais seulement tes paroles dans mes oreilles, ma ça. La femme pasteur, là, ça faisait longtemps, je veux dire bien longtemps, depuis mon mariage en octobre 2021, que je ne suis pas repartie à l'église. Aujourd'hui, c'était le dimanche cohésion. Donc, comme on a une communauté polynésienne, et c'est eux qui font la chorale et tout, ils ont fait à manger, j'ai bien mangé là-bas. Les plats polynésiens, c'était trop, trop bon. Et on vient juste de rentrer là, depuis 10 heures aujourd'hui. Donc, c'était trop, trop bien. Et le bénéfice de la dîme, qu'on donnait, c'est de posséder. Apprenez à donner. On a parlé là-bas, ça me sucrait jusqu'à dire que, reste là-bas. Tu parles quoi là-bas sur ta chaise? Je maîtrise le sujet, ma mère. Cornelia, on m'a bien édifié dessus, donc je n'aime même pas. Je maîtrise l'affaire. Mais tu étais bon à moi jusqu'à t'entendre les choses. Ça avait dit. En fait, ça fait une connotation différente dans mon esprit. En fait, donc, j'entendais ça, je comprenais mieux. Tu vois, j'écoutais différemment parce que j'avais déjà été édifié par toi. Donc, ah, c'est le goût. Je te dis seulement merci. Merci, 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 ma reine. Je suis sûre qu'il y a peut-être 6 mois, cette femme ne payait pas fidèlement sa dîme, régulièrement. C'est un truc que je connais sur la dîme. Hein. La dîme met une barrière de protection autour de toi. La dîme protège. La dîme... Parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu es au fond du gouffre de toutes les façons. Que tu donnes la dîme... Donc en fait, tu es déjà au fond du gouffre. L'argent n'est pas là. L'argent n'est pas là. Donc, le peu que tu as là, retire la dîme de ça. Pose un geste, une action vers Dieu. Avance la main vers Dieu. C'est un peu comme si il te restait ton dernier, dernier du Dieu qui te reste sur la terre, c'est un verre de maïs. Soit tu manges le maïs, tu meurs. Soit tu sèmes le maïs, tu meurs. Mais tu sèmes le maïs.
Parce que tu sais qu'en semant, ça va produire. Mais dès que tu mets dans ton ventre là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars aux toilettes, tu fais caca, ça sonne. Alors que quand tu sèmes, tu as quand même espoir. Mais comme je sème là, ça va. Il n'y a pas la terre dans ton ventre. Il n'y a pas la terre dans ton ventre. Il y a la dîme, il y a le donne-moi tout. Je sais que dans ce témoignage, elle est le donne-moi tout. Hein. C'est comme si elle mangeait seulement le donne-moi tout. Ah, donne-moi tout. C'est vrai que c'est presque fini. Bon, donne-moi tout, tu prenais ça, vous prenez ça en goutte. On va changer l'emballage, donne-moi tout. Quand ça viendra chez vous, ça viendra avec la mesurette qui prend les gouttes. Donc, il y a le donne-moi tout de 10 000, il y a le donne-moi tout de 15 000. On a divisé les petites portions. Il y a la portion de 10 000 et il y a pour 15 000. Le donne-moi tout, tu peux prendre, tu mets 3 gouttes sur la langue avec le don, tu parles. Tu gardes aussi dans ton sac. Si peut-être tu vas aller peut-être dans une salle pour parler avec des gens, peut-être c'est un tribunal, peut-être tu as une interview, peut-être tu vas parler à des clients. Tu prends ça un peu comme ça, tu mets sur tes mains, tu mets un peu sur le cou, tu te concentres, tu parles, tu mets sur les bras ici là. Ça te permet de. Ça réactive ta puissance. Ceux qui sont très spirituels, quand vous touchez le don matou, vous sentez. Quand tu mets sur le don matou sur toi, toi-même tu sens que. Il y a quelque chose qui m'a touché. Voilà ça. Quand on ça, tu fais en méditant dans ton cœur ce que tu veux. Il y a aussi des personnes qui mettent ça sur la langue. Ça donne la puissance à tes mots. Bon, on ne peut que parler. Chacun est dans son couloir en train de faire son combat. C'est ça qui me plaît sur la spiritualité. Je ne suis pas conseillé, c'est qu'il y en a parmi vous. Je me suis arrêté pour acheter la prune aujourd'hui. J'ai garé les embouteillages, donc j'ai garé quelque part. J'ai moi pris la moto. Je m'arrête donc à un endroit pour acheter les mangues. Donc je vois une dame. C'est elle qui vendait le maïs à côté. Dès que j'approche, elle me dit bonjour ma reine. Elle dit, ah, tu as droit là. Sur Romain, elle se lave pour celle. Elle a même venu chercher un produit. Continue à me regarder comme les spectateurs. Vous avez compris. Il faut me spectater. Spectatez-moi bien même. Je vais vous tâter. Spectatez-moi. Pendant que les gens sont en train de faire leurs choses, leur vie change. J'ai aussi seulement compris qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour changer. Genre, tu dois encore un peu souffrir. Tu dois encore souffrir même 5 ans encore. Oui. Tu dois encore 5 ans. Il faut que l'homme là te menace un peu même 5 ans. Il faut qu'il mange encore ton argent, même 5 ans. Après, tu vas dire, hey, c'est ça. Là, tu vas confirmer. Virginie, si tu as quelqu'un au pays, la personne vient chercher, il te poste ça. Je me prends souvent les mots de tête pour poster vos affaires, mais je ne veux plus. C'est parfois très fatigant. Il y a des pays comme l'Algérie, le Maroc. Venez prendre ça vous-même, vous postez. Bon, j'ai terminé ce que j'avais à dire aujourd'hui. Lavez-vous au sel. Peut-être que ça fera que je vous voie. Et puis, il y en a parmi vous, vous avez trop les mauvais esprits en vous. Vous avez compris? Votre pas de mauvais esprit là, c'est trop. Il est plenty.
Ce qui fait qu'elle ne peut même pas vous parler. Vous ne méritez pas qu'elle vous parle. Vous m'entendez? Parce que votre cœur là, c'est trop noir. Je vous dis moi, oh ah. Vous avez compris? Je vous connais, non? Vous allez partir me saboter après. Je m'en fous de toute façon. Comme on dit, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Yes. Donc, ceux qui ont le bon cœur sur moi, ça c'est sûr. Quand vous allez appeler, vous allez m'avoir. Ceux qui ont le cœur noir là. Never. Un jour, une femme est venue de France. Elle est venue le premier jour. Elle est arrivée en route. Elle est calée en haut là-bas. Elle ne pouvait pas descendre jusqu'ici. Deuxième jour, elle est venue ici. Elle est restée dehors. Quand je sors, elle est aux toilettes. Je repars dans mon bureau. Elle vient s'asseoir encore. Elle se fatigue. Elle part jusqu'à rentrer en France sans que je ne la voie. C'est-à-dire que mes yeux n'ont pas touché ses yeux. Écoutez, hein, mauvais cœur là, ça ne touche pas ma part. Même pas. Pierrette, ta fille me connaît, tu ne crois pas qu'elle me connaît. Tu doutes de ton enfant. Donc si vous avez mauvais cœur sur ma part là, c'est pour ça que moi et vous parlez même jamais. Je ne vous calcule même pas. Voilà. Il y a des gens qui que quand vous appelez, vous tombez toujours sur moi. Donc, la secrétaire de téléphone, 3 jours. Je touche le téléphone pour 2 minutes. Toi, tu appelles. Ah oui, c'est comme ça. On vous dit, vous lavez, c'est vous ne l'avez pas, non. Vous avez 5 voiles sur vous. 5 masques sur vos visages. Bonne soirée.